Même s'ils sont à la retraite, souvent, ils sont occupés à garder leurs petits-enfants. Alors, ils ont bien le droit, eux aussi, à quelques jours de vacances. Hier après-midi, 25 Matayapo sont partis en direction de Mataiva, dans les Tuamotu, où ils pourront jusqu'au 5 mars profiter de la beauté de l'île, découvrir son histoire ou tout simplement apprécier de ne rien faire. 3 500 000 francs ont été nécessaires pour permettre ce voyage pris en charge à 100% par la Direction des Solidarités, de la Famille et de l'Égalité. L'information, on continue sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.